Le docteur s'applique à retirer un nombre important de grosseurs. Deux heures durant, la position est stricte. Les yeux sont rivés sur le patient. La rigueur exclut la faille. Je ne peux être qu'impressionné par cette démonstration. J'ai le droit de rater ma prise de vue. Il n'a pas le droit de fermer l'œil. Il doit être possible d'exister avec cet homme, dans cette pièce. Robert me confiait ce matin qu'il a donné une interview pour la télévision, dont le montage l'a beaucoup déçu. Le reportage déformait complètement ses dires. En me décrivant cette mésaventure, il me faisait comprendre que mon rôle devenait utile, peut-être. La réunion à laquelle j'assiste en dit long sur les personnes. Elle consiste en partie à faire le point sur l'ergonomie et la qualité de vie au travail. Robert est demandeur de cette initiative. Les intervenants invitent l'équipe à dialoguer, à se confier sur des sujets parfois délicats. Il est souhaitable que ce type d'échange se propage ici et là, afin que tous les travailleurs puissent espérer améliorer leur quotidien. Un chat que l'équipe surveille depuis deux jours bascule dans un état critique qui engage une tentative de réanimation. Tout le monde sait que les chances du chat sont quasi nulles, mais les efforts s'alimentent d'une main à une autre pendant de longues minutes. Le temps accordé aux malheureux est important. À l'évidence, nous dépassons le quotidien. Et l'émotion est réelle. Il faudra accepter la fin du brave petit félin. Le diagnostic est une phase de travail fascinante. Un domaine dans lequel le docteur fait agir toute sa pensée. Il se déplace du point A au point B, en passant par une multitude de lettres invisibles, dans une avalanche d'hypothèses, de questions, d'analyses. Le cerveau humain en exercice, en épreuve, transparaît et domine l'instant. Des activités plus tranquilles permettent de libérer les tensions. Robert me confie que celle-ci, en particulier, lui fait du bien en fin de journée. Défaire les nœuds.
N'est-ce pas utile après tant d'efforts et de réflexions ?